Fred Testo, l'humoriste et acteur, est venu accompagné du réalisateur, comédien et homme de télé Alain Chabat. Entre dédicaces, séances photos et débats publics, les deux vedettes du Marsupilami, la dernière comédie d'aventure tournée dans la jungle de Malaisie, se sont prêtées à nos questions et aux premières impressions des spectateurs en sortie de séance. Un reportage qui prend la température durant l'avant-première à Kinépolis de Nîmes. Putain, c'est trop malin, ça augmente toutes les heures. Je suis avec Alain Chabat et Fred Testo. Et le Marsupilami. Et le Marsupilami qui est en haut, effectivement. Donc Alain, pourquoi avoir choisi le Marsupilami ? Parce qu'on en a finalement trouvé un vrai et que du coup le film pouvait se faire. Non mais parce que c'est un petit animal qui me suit depuis que je suis enfant, jusqu'à aujourd'hui où je suis maintenant enfin enfant. Donc l'univers de la BD, c'est un univers qui t'inspire ? Bah oui. Oui, oui, ça me... Entre autres, mais... Bien sûr, c'est très inspirant. Et puis ces gens m'inspirent aussi. Cet être humain qui est à ma gauche m'inspire énormément. C'est vrai ? Oui. Ah, merci monsieur. J'aime beaucoup être à vos côtés. Je suis inspiré. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous parler de votre personnage ? Moi, on peut parler en même temps. Alors, l'un après l'autre, c'est peut-être plus pratique. Ah, ça aurait pu être marrant. Moi, c'est mon personnage, s'appelle Hermoso. Hein. J'ai une sorte de double rôle hein, dans ce film, vous le verrez. Hein. Plein de surprises, attention, un peu vieux, un peu jeune, je ne sais pas, vous verrez. Et voilà, c'est la chance que m'a accordé Alain d'avoir deux rôles en un, donc c'est formidable. C'est quelqu'un de Hermoso, on va dire, c'est un botaniste hein, qui a fait beaucoup pour les plantes, beaucoup pour les fleurs pendant toute sa vie, qui aimerait qu'elles rendent quelque chose pour lui. Voilà, après j'ai pas envie de dévoiler toutes les surprises de ces personnages. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à les interpréter et beaucoup de chance de pouvoir les jouer. Ça, c'est une belle phrase. Hein. Je vais maintenant me réinterviewer. Alors Fred, oui. Et Alain, alors ton personnage ? C'est un reporter qui n'est pas reparti sur le terrain depuis maintenant 16 ans et qui est un peu poussé par sa chaîne pour des raisons d'audience. Et il doit repartir en Palombie chercher un scoop. Il part là-bas et on voit qu'il n'est vraiment pas du tout équipé pour l'aventure. Et il va trouver un autre scoop avec l'aide d'un guide local qui est joué par Jamel Debbouze. Voilà. Qui est dans le film s'appelle Pablito Camarón. Et voilà, puis ce sont deux personnages qui n'ont rien en commun évidemment, qui vont essayer de s'embrouiller l'un l'autre en permanence. Et puis qui petit à petit vont être entraînés dans une aventure qui est beaucoup plus grande qu'eux. Et pas qu'eux. D'accord, bah nous on a adoré le film en tout cas, donc merci beaucoup pour l'interview. Merci. Merci. C'est très gentil. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu ? C'est là. Bonjour, c'est là. C'est quel âge ? Non, moi c'est Aïgul. Aïgul. Je voulais vous demander votre meilleur souvenir pendant le tournage. Et est-ce que vous avez beaucoup ri ? Personnellement, j'ai beaucoup ri. Les gars sont très tristes, pour ce qui est de Fred, de Jamel, de Géraldine Nathalie, c'est une triste cire. Non, on a beaucoup de Tim Sit aussi. Patrick Tim aussi, très sinistre. Oui, oui. Il n'aime pas du tout rigoler. Non, pas du tout. Aïssa non plus n'est pas une. Non. Non, le meilleur moment, je crois, c'était le dernier jour de tournage. Oui, voilà, c'est vrai. Content de rentrer chez soi, de dire. Quand tout le monde s'est quitté. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme. Il y a eu. Tous les jours des bons moments en fait, hein. C'est une vraie aventure comme dans le film, humainement. C'est la scène la plus auquel j'ai rigolé, c'est celle de Jamel avec Péché. Si vous pouviez ne pas trop lui en parler. C'est pour ça qu'il vient pas en fait en tournée. J'ai trouvé ce moment est un peu douloureux et difficile à... Et la scène est super et c'est important, oui, c'est que le film soit bien. C'est aussi pour les homos ce film. C'est un film hétéro, homo et bi. Hein. Oui. C'est les trois. Hein. Tout à fait. Le HHB. En tout cas, on a la convention HHB. Oui, oui, oui. Elle a été validée. Oui. Il y a des femmes magnifiques. Hein. Aïssa Maïga, merveilleuse. Lia Kebede, sublime. Géraldine Nakache, un canon. Magnifique. Et puis, Alain Supiamet. Ah. Quand même, pas mal de filles. Bonjour,
Vous criez. C'est bien de crier. Ça libère. En tout cas, les tensions musculaires. Si on peut demander 5 fois par jour, il vous reste donc 3 cris. Jamel, il travaille actuellement. Oui, Jamel est en tournée de son spectacle et il vous embrasse très fort. Oui. Géraldine vous embrasse très fort. Elle est en montage de son film qui s'appelle New York et qui va sortir en novembre. Pardon. Continuez de crier. Oui. Très bien, très bien. Donc, on va crier les enfants. Jean-Jacques Goldman, sont pas là. Et c'est bien la Palombie. Oui, c'est très bien la Palombie. Oui, je vous conseille d'y aller. Le prix du billet n'est pas très cher, c'est 1200 palombos, c'est pour les 8 euros. Aller-retour. Est-ce que vous comptez faire une suite pour le Marsupilami? Oui. Mardi. À diffuser la nuit, je crois. Il n'y a pas de. Le film vient à peine d'être terminé, donc on est tout content de vous. Vous n'avez pas des pistes pour la suite? Sur le chemin du Marsupilami, oui, peut-être. Sur la repiste. Un chemin? Oui. Oui. Ici. Ici. Oui. Là. Ah oui. Là. Là. Oh. Où ça là? Là. Oh. Là. Là. Ah oui oui. Là-bas. Là. Salut. Voilà, ça y est, on vous voit. Merci. Moi et mes potes, on se demandait pourquoi est-ce que vous avez choisi Nîmes pour votre avant-première. Question trop longue. Désolé, j'ai pas trouvé plus court. Ouais, je suis désolé, je ne peux pas la valider. Alors, il faudrait venir m'en voter, moi. Alors, pourquoi on a choisi Nîmes? D'abord. Parce que le Marsupilami est né à Nîmes. Ah, déjà, elle. Marsupilami à Nîmes. C'est génial. Non, c'est la vérité, hein. Eh bien, sympa, alors, toutes ces questions. Très agréable. À demain. À demain, oui. Bonjour. Votre nom, votre âge, votre profession, votre signe du zodiaque, votre voiture, votre immatriculation et votre couleur de cheveux. Bonjour, oui. Merci déjà pour la projection. C'était très bien. On a apprécié. Je te rappelle. Matteo, vous voulez voir quelque chose? Chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. Nexus, je l'ai vu. Bah. Dégage, menteur. Oh, mytho. Que la prophétie commence. Dans quoi vous nous avez fait? Fait quoi pour le marsupilami? Attrapez-le. Je veux des glingos. Mettez-vous à calif, cochon. Sweet, 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 it's on you.